Ah. Détergent borax, percarbonate, carbonate de sodium. Dis, vous avez pas de la javel chez vous? T'es sûr que c'est une bonne idée, la javel? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Non, comme ça. Alors, on écoute quoi, DJ? Meilleur disque de tous les temps? C'est oncle Aaron, l'invité mystère? Un secondo. Tu sais que je ne veux pas de lui à la maison. Je me disais juste... Non, rien. On parlera de ça plus tard, d'accord? Nadia, je suis là. Oncle Aaron. Il y a des problèmes familiaux, je crois. 15 ans à Brooklyn sans une seule tâche. On déménage à Harlem. Ça doit être un signe. Bien sûr, oui. Tant de secondes, c'est... Prowler, c'est le méchant du film Spider-Man Multivers. Il est dans ça, puis c'est... C'est frère à son père qui était pro. J'ai du mal à croire que notre projet aboutisse. Est-ce qu'ils ont fait pareil? Ils ont-tu... Oh my god. Ça serait-tu assez intense? Ce serait l'oncle Miles Morales serait le méchant. Il fait un peu sombre ici. Faut allumer le sapin. Tu seras fier de moi, papa. Légalement, tant qu'on garde une marge de 3,50 m, Luc Sapin. Roxxon ne peut rien dire. Ça ira. Moi, tu veux que j'allume le sapin? Ok, on va mettre la musique. T'aimais pas le jazz quand j'étais petit? Ton père m'a appris à l'apprécier. Aïe, tu dis toujours ça. Député spécial. Tu m'as demandé de faire quoi d'autre? Allume le sapin, ce sera parfait. Désolée, Nadia, je suis là. Je suis content que le sapin de papa ait tenu le coup. Moi aussi. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Ça me manque de l'entendre dire ça. Oh. Ça fait des années que cette sonnette ne marche plus. Miles, tu peux y aller? Bien sûr. Tes parents vont Key bien? Ice. Ça fait longtemps que je leur ai pas parlé. Ils vont très bien. Ils ont vu une tortue de mer de la taille d'un labrador au large de Molokini hier. Waouh, c'est génial! Je suis contente que tu sois restée à New York. Ça fait plaisir de t'avoir à la maison. Je suis content d'être là, Madame Morales. Alors, ça fait un mois maintenant. Vous vous plaisez à Harlem? C'est un retour aux sources pour moi. J'ai grandi dans cet appartement. Miles commence à s'y faire, je crois. Vous vivez toujours à Sugar Hill, tes parents et toi? Oui, je suis content que vous ayez déménagé. Je peux être ici en 20 minutes. Avant, je mettais une heure pour aller à Brooklyn. Contente de savoir qu'on a réduit ton temps de transport. Miles, tu peux aller ouvrir? Oh oui, ouais, là-bas. Maman. Une seconde. J'écoutais ce que vous disiez. Qui va être là? Finn? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. Ah, c'est la fille, était sa pas vu photo. Depuis, Des mois. Il y a eu du changement. Ouais, ça c'est sûr. C'est notre invité d'honneur? Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Finn, je suis vraiment contente que tu aies pu venir.
Merci de m'inviter, Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah, salut. Finn, voici Ganki, mon pote du lycée Brooklyn Visions. Ganki, voilà Finn. Ma meilleure amie. Enfin, avec toi. Ah ouais, vous avez gagné le concours de sciences au collège, c'est ça? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie. Chips. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ce bâtiment est une catastrophe. Je vérifie le disjoncteur. Grazie. Alors, Noël aux chandelles? J'ai pas fait ça en réparant la sonnette, promis. J'y avais pas pensé. Tu serais super forte si t'avais réussi à faire sauter l'électricité dans tout l'immeuble. Forte n'est pas vraiment le bon mot. C'est pas faux. Inoubliable, plutôt? Exactement. On doit faire quelque chose pour la nourriture. J'ai des plaques de cuisson sur batterie, quelque part. Est-ce qu'on les a sorties des cartons? Et combien de temps ça va rester chaud? Pas très longtemps. Miles, tu vas regarder tout dans le... Je m'en occupe. Ça marche pas. Le coupe-circuit est pas alimenté. C'est coupé dans toute la rue, on dirait. Je vais aller jeter un œil sur l'escalier de secours, au cas où. D'accord, chérie. Mais fais attention. Oh, et griller des marches. Qu'est-ce qui se passe? On peut sûrement pas atteindre le transformateur en passant par là. On va être super collant. D'autres immeubles qui sont dans le noir? Il y a des gens sur toi. Je peux pas monter. Ouais, dans tout le quartier. J'espère que personne ne peut me voir là-haut. J'ai hâte que le réacteur de Roxon marche. On n'aura plus ce genre de problème. Elle savait de Roxon et de jour, ils m'ont laissé 2 heures en attente. Regarde pas par la fenêtre. Vous croyez que Miles s'en sort dehors? J'espère. Les plaques à elles seules ne suffiront sûrement pas à sauver Xenu. La bioélectricité peut assommer Rino. Mais est-ce qu'elle peut sauver le repas de Noël? Ils n'ont jamais ces problèmes de courant dans le Fairy Side. Parce que sa majesté... Ça a marché. Un peu trop de lumière. J'y avais pas réfléchi. Je dois rentrer en vitesse. Continue de les occuper, Ganki. Allez, Ganki. Miles est toujours dehors? Et si on prenait une photo? Maintenant? Ouais, parce que les bons moments, faut les immortaliser. On n'attend pas Miles? Non, il a horreur des photos. Allez, rapprochez-vous. Pas le tour, ça aurait été moins... Super, c'est magnifique. Oh, tiens, Miles. On passe à table? Vous pouvez aller vous asseoir, je m'en occupe. Ça sent bon. Oh, sa mère. Finn, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique? Je l'ai quitté. Mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Oh, tu peux parler? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Eh, seulement les mardis. Ton frère Rick travaille toujours chez Roxon? J'arrive pas à croire que des gens travaillent encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli Simon Krieger. Ça me fait penser. Ganki, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité, non? Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain? Ouais,
À minuit, on parlera que de nous. Parfois, on dirait que c'est Simon Krieger, mon véritable adversaire. Roxxon a une influence énorme ici. Mais ils ne rendent de compte à personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie ? Oui ! Ne touche à rien ! Est-ce que t'as des soucis ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, t'as l'air... je sais pas... préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler ? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn ? Franchement... ça va. Oh, t'as le cafard ? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentille pour le dire. Non, c'est juste que... je connais personne ici, et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant, un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain ? Nous deux, tranquille. T'es sûr que t'as le temps ? Oh, c'est les vacances. Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok, je t'appellerai. J'ai trop hâte. J'ai hâte qu'on se voit entre amis. Je vois que t'es toujours aussi douée avec les filles. Oh my god. Miles. Quoi ? T'as pas dormi ? Non. Je suis resté debout toute la nuit pour créer une appli pour ta tenue. Elle a un système d'exploitation de malade, j'ai jamais vu ça. Mais je l'ai passé dans un désassembleur pour décortiquer l'architecture du plugin et... ah, tu viens de te rendormir, pas vrai ? Miles ! Je dors pas. J'ai presque fini de la compiler. Et voilà. Tu veux essayer ma nouvelle appli ? Ouais mec, quand tu veux. Je suis connecté à tes analytiques. C'est parti pour le test. Ok. Je peux voir tout ce que tu vois. Comment tu fais pour pas gerber tout le temps ? Avec beaucoup d'entraînement. Glissez vers la gauche sur, pour constater l'appli araignée sympa du quartier. Bienvenue dans mon application araignée 1.0. Elle permet aux New-Yorkais de demander directement de l'aide et de signaler les crimes en cours. Chouette l'interface. Merci. Oh, regarde, quelqu'un vient de faire une demande. Oh. La demande provient d'un certain Aaron Davis. Hein ? Quoi ? C'est mon nom ? Il sait que tu es Spider-Man ? Non ! Ça doit être une coïncidence. Je me dirige vers la station de métro. What the fuck? On parle de son oncle déjà en partant? Il y a quelque chose de douteux son oncle. Je pense que si c'est Prowler, ça va être intéressant. Demander de l'aide ? Je suis Spider-Man, au fait. Ouais, je sais. Aaron Davis. Je crois que quelqu'un a touché au capteur. Je reçois des données corrompues du relais principal en haut de Grand Central. J'y vais. Attends. Quoi ? Où il est, l'autre Spider-Man ? Oh, il est en vacances. Mais vous en faites pas, je gère. Ça commence bien. Bon, il m'a pas reconnu. Oh, bah, il appelle via l'appli. Mais c'est Spider-Man. Hey, j'ai oublié de te dire. Il y a eu un cambriolage à côté la nuit dernière, à Roxxon Plaza. Un groupe appelé l'Underground. Il traînait à ma station ce matin. L'Underground. Vous savez autre chose sur eux ? Ils se considèrent comme la nouvelle mafia. Ça fait un bout de temps qu'ils existent.
Mais ils ont un nouveau chef, Tinkerer. Tinkerer. Merci pour le tuyau. Et sinon, vous appelez souvent Spider-Man ? Genre, pour lui demander de l'aide. Ah. On pouvait pas vraiment te joindre avant cette appli. Mais je t'ai vu arrêter Rhino au journal télé. Je me suis dit que t'étais la personne à appeler. Cool. Et ça fait longtemps que vous travaillez dans le métro ? Non, j'ai commencé l'année dernière. Enfin, bref, j'avais besoin de changement et je me suis dit que ce boulot était un bon début. Mais les trains qui tombent en panne pendant mon service, ça la fout vraiment mal. Ben, quand on aura résolu le problème, vous pourrez dire à votre patron que vous avez fait preuve d'initiative en utilisant l'appli araignée sympa du carton. J'y manquerai pas. Bonne chance avec les capteurs. Ok. C'est vrai, on a peut-être des nouveaux personnages. Ouais, on a Finn Mason. Lieu de naissance Brooklyn, New York, profession lycéenne. Pseudonyme la seule et unique Finn Mason, la petite sœur d'Eric. On peut pas vraiment dire que Finn est une amie, c'est plus comme ma sœur. On a grandi ensemble à Brooklyn, on était quasi inséparables jusqu'à ce qu'il y a quelques mois quand on s'est perdu de vue. C'est sûrement de ma faute. Entre le déménagement et les entraînements avec Pete, j'ai pas franchement été un super ami ces derniers temps. Le grand frère de Finn, Rick, l'a élevé après la mort de leurs parents. Il l'a toujours encouragé dans sa passion pour l'ingénierie. J'ai toujours aimé les sciences, mais Finn est encore un cran au-dessus. Si elle avait prélevé la moitié des trucs qu'elle a inventés quand on était gosse, patin à réaction, lunettes sonores, elle serait gazillonnière aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, Finn. Elle veut changer le monde. Je connais personne ayant autant de fougue. Aime se taquiner, hyper intelligente, passionnée, obstinée, adore la sauce piquante. Non, pas ça que je vais faire. C'était pas ça que je voulais faire. Ok. Voilà les capteurs. Il y a beaucoup trop de câbles sur celui-là. Ça doit interférer avec le signal. Ils vont où ces câbles ? Je dois aller dans ces abris. Oh! Lorsque vos ennemis ont des soupçons, un symbole apparaît. Hey! Et toi-même, ouais? Il y a quelque chose qui brouille les signaux du relais. C'est ça, ça. C'est du matos de dingue. Ça me plaît pas, mais... Les capteurs remarchent. Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis occupé des types qui jouaient avec. Et on dirait qu'ils ont oublié quelques-uns de leurs gadgets. Je vais devoir vous rappeler. Waouh ! Je peux m'en servir pour fabriquer les holodrones que Pete a conçus. Appuyez pour ouvrir la gamme gadget. Holodrone. J'ai gagné des jetons de glitter. J'ai jamais vu ce genre de fréquence radio. Je peux peut-être la pister. Il y en a pas mal d'autres du même genre ailleurs en ville. Oh my god. Oh Jesus. Il y en a beaucoup. C'est l'heure d'essayer mes nouveaux holodrones. Les gars, il y a des holodrones. Bon,
dire que les trains sont partis. Je devrais demander à oncle Aaron. Quoi? Ouais, monsieur Davis, qu'est-ce que ça donne chez vous? Le signal est revenu, mais toujours pas de train sur les voies. Il a dû se passer quelque chose au dépôt. C'est l'Underground qui avait touché à vos capteurs. D'ailleurs, vous savez si Roxxon utilise le métro pour transporter d'uniformes? Roxxon? Le métro a été conçu pour transporter des gens, pas des marchandises. Mais il y a eu des changements sur cette ligne quand Roxxon Plaza a été ajouté. Alors, il pourrait l'utiliser de façon clandestine. Je vais y regarder de plus près. Vous me parliez d'un frère. Est-ce que vous avez de la famille? Je les ai pas vus depuis longtemps. J'ai dû faire des changements, comme prendre ce boulot. Mais il me manque. Surtout mon neveu. On faisait du son ensemble. Vous pourriez peut-être le revoir maintenant. Enfin, les revoir. Votre famille. J'espère, petit. Bon, je vous laisse. Je dois combattre l'Underground. A plus. Ok. Donc là, ça va être une grosse... activité de l'appli OSD. Une... Plein d'affaires à faire. On peut au moins commencer par faire 100% cette zone-là. On est où, là? J'ai 1 sur 5, de fait. 1, 2. Lui, est-tu considéré 7? Je pense que oui, hein. Je suis pas 100% sûr. C'est des side quests. Progressif. Ok, bon, on va commencer par un, là. On va commencer par les 7, là. Le squat dans les airs, puis sur carré, orienté dans le... Ça me dit qu'il est en haut là. Ah, oh, c'est ça, c'est ça. C'est un combat. L'Underground a installé une base ici sans que personne s'en aperçoive. Impressionnant. Ok, c'est juste des affaires à trouver puis à. Ça va être facile. Un nouveau personnage que t'as pas eu? Non. Retour éclair. Allô, toi! Est-ce qu'on me fait piquer quelque chose? Trois sur cinq. Ça
facile, moi j'aime ça. On n'a plus besoin de farmer les crimes. Ça c'est pas grave. On peut comme on est pas obligé de tout faire les crimes qu'on voit là. En tout cas, ils ont pas l'air d'avoir mis ça là, dans celle-là. En gros, ça va être du... trouvage de choses. On va essayer de trouver plein d'affaires. Ça va, un nouveau costume. Ça fait fun. On va checker ça. On va voir si on peut avoir un nouveau costume. Ça va être différent un petit peu. Oh, je vous dirais que je peux avoir celle-là. Jetons d'activité, c'est ça, vite. J'en ai pas vraiment énorme. Je peux en acheter un, deux, trois. Si je veux le cousu humain. Les autres, on les voit-tu? Non? Coups humains. Lanceur puissant. Monte les dégâts des objets lancés. Ok. Je le vois, je sais pas ça. Tu sais qu'il est au bord de ça. Là est-tu fait? Ah, oh, la cage d'Underrub n'est faite dans cette zone-là. Ici, j'en ai 4. 1, 2, 3. Voilà, là, t'es.
vraiment le plus beau moment de l'année. Oh, trop bien! J'adore ton costume. Un plaisir. Ah, laissez-moi faire de quoi, là. Qu'est-ce qui se passe? Il en a de morale, son chopez-le! Ah, on le va carrément, là! Elle reste là. Tout square jusqu'à moi. Et voilà le dernier. Next. Lui. Oh. Allô? Des pièces high-tech. Cool. Let's go. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, il est là. Ok, faut que je bouge ça. Ça, c'est bien. Tu vas mourir! Il y en a un nouveau là. Ah ouais? Ow. C'est beau. Let's go. On en fait un autre. J'ai nouveau quoi là? 6 puis j'ai un point de compétence. Ça fait un petit bout de ça. Niveau 9. Je peux rien mettre. Oh, je peux mettre ça ici. C'est quoi ça? Les ennemis paralysés qui sont jetés sur l'autre cible, sur d'autres cibles, propageront la paralysie. There we go. À date, c'est un super beau jeu. C'est aussi beau que le premier.
L'underground a de vilaines méthodes, mais du matériel au top. 2 sur 5. Let's go, on s'en va chercher le numéro 3. Je pense pas qu'il apparaisse tout, par exemple. Ouais, je pense qu'il m'en laisse un petit peu durant l'histoire pour d'en trouver de temps en temps. Ça, j'ai compris avec le premier, là, des fois, ils apparaissent pas tout au complet. C'est au fur et à mesure qu'on joue dans le jeu, qu'on progresse, qu'on va en trouver plus en plus dans la map. J'ai déjà des ennemis. Je suis sûr que l'Underground est là pour faire des trucs pour pas suspect du tout, genre légal et tout. Je sais faire comme là. Hello. Toi t'es arrêté. Tout et tout. Merci, c'est à moi. Je devrais peut-être leur laisser un petit mot. Non. Un petit mot là. Oh my god, Frimo c'était avec moi puis je le savais même pas. Il dort juste à côté de moi puis il y a des spasmes. Est-ce qu'il dort? Est-ce que ton chat dort dur là? Oh, allô? Ah, c'est ici qu'on avait battu Rhino dans le temps. Tu veux voir un guet-apens, quelque chose? What? Ah, ils se sont pris vraiment intense pour le pogner. Sur 5, ici j'en ai 4. 1, 2, 3, 4, oui. Ici j'en ai 2 sur 4. Ici j'en ai 4 aussi. 1, 2, 3. Et 3. 1, 2, 3. Ça je peux avoir 100%, lui je peux avoir 100%, lui probablement pas. 1, 2, 3, 4. Next. On commence à avoir des méchants là. Le Tankerer. Et probablement Prowler. Je suis pas mal sûr que Prowler est dedans. Ouais,
Ouais. Ah ah. Vite, ça y est, on en a jamais assez. Personne qui les voit, là. Il doit avoir les frais, pauvre petit. Travailler dehors de même. Peut-être trop pour les autres. Peut-être que c'est dans un auto. Peut-être que c'est ici. Je suis pas 100% sûr. Attends, je pense que c'est là. Oh ouais, oh ouais. Je pense que juste que je me drop ici. Comme ça. Ok, ici. L'underground me faisait un petit cadeau. On s'approche de la maison de Peter, hein. Je sais pas s'il a déménagé. Ça, c'est bloc appartement, je me rappelle de ça. En gros, ça a pas pris de temps à refaire le jeu, je veux dire, c'est même map. Je sais pas, mais on va le savoir. C'est pas toujours aussi facile. Ils se battent entre eux autres, wow. Ça, c'est fait. Bon, il faut trouver notre gate set. Non, il est pas là. Oh, il est dans cette affaire-là bizarre.
Ça, c'était leur plan de faire Miles Morales depuis le départ quand ils ont fait Spider-Man. Genre, c'est par après que ça a marché. Ah. C'est l'entour de 7. Ah, c'est de 7. Je faisais un petit breuvage. J'ai soif. Ça, je vais le faire en dernier. Fait que là, je m'en vais là. Pas grand crime quand je fais ça. Hein. C'était nice. C'est bizarre, hein? J'aime. Ils ont fait des petites modifications comparées au premier, des petites affaires que tu pouvais faire que tu pouvais pas faire dans. Que tu peux faire que tu pouvais pas faire dans le premier. Puis j'aime bien ça. Je me rappelle pas si le scan était là, honnêtement. Moi, oui, il était là. C'est juste que je m'en rappelle plus. Ouais, un combat fait un petit bout, j'en ai pas eu. Je me demande où ils se glissent. Ils vont peut-être pas savoir en fait. Ouais. Oh, manqué ma shot. Ouais.
que je suis en bonne place, moi, là? Ok, c'est comme tantôt. Ça ira. Ok. Notre nouvel appartement. Qui était en bas. La circulation des métros est interrompue à Harlem. C'est pour la gêne occasionnée. Le métro. Puis comment je fais pour aller dans le métro? Où est-ce qu'il pourrait être? Il a l'air d'être sur cette bâtisse-là, mais. Il peut être partout, hein. Là. C'est clair que c'est ici. Que j'ai quelque chose, j'ai besoin de quelque chose pour l'ouvrir parce que. Tout le monde me regarde bizarrement à Harlem. Genre le petit nouveau à l'école. Je sais que c'est dans ça, d'ailleurs. Attends, avant que ce soit. Je sais que c'est là, c'est direct dans ça. Mais je peux pas le faire. J'ai compris. Un temps spécial ou oh.
un autre rond de main. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ok. Je vais essayer de compléter au moins ça, là. C'est ça qu'on avait battu Electro dans le premier. Voyons ce que l'Underground fabrique. Elle reste dans l'eau. Oh. Celui-là, je ne vais pas attendre Noël pour l'ouvrir. Ok, donc ça c'est beau. Fait qu'il m'en a resté 1, 2, 3. Lui, je peux pas le faire. Parce que si je fais ça, il apparaît juste pas. Il apparaît dessus. On va les voir. Peut-être un bug puis il est pas apparu, je sais pas. Peut-être que j'ai juste pas le gadget pour aller dans la zone de cette affaire là. Bon, c'est ça, il apparaît pas. Bizarre. Bon, ben, on va arrêter ça là. On va continuer, puis prochain épisode, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va terminer les quelques... Les quelques boîtes à trouver qui nous restent. Et puis, on va... finir la quête de Harlem non desservi. Donc, merci d'avoir été là tout le monde. Pika pika à tous. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour du Demon's Soul. Bye bye.